Disparition d'Emiliano Sala. L'émouvant hommage rendu au footballeur disparu. Au stade de la Beaujoire, toutes les pensées étaient tournées, mercredi 30 janvier, vers Emiliano Sala. Alors que le club de Nantes jouait son tout premier match depuis la disparition du footballeur argentin, l'émotion était palpable. Public, joueurs, tous avaient décidé d'arborer un maillot avec les lettres du nom de l'Argentin imprimées en gras. Extrêmement touchés par le drame, les joueurs de Nantes se sont échauffés avec des t-shirts sur lesquels était inscrit « On t'aime mi », tandis que ceux de Saint-Étienne portaient des maillots pré-Force Sala. Il y a 10 jours, le petit avion qui transportait Emiliano Sala a étrangement disparu au-dessus de la Manche, 2 jours après le transfert de l'ancien joueur de Nantes au club de Cardiff City. Si les autorités avaient décidé d'arrêter leurs intensives recherches, considérant que les chances de survie étaient infimes, la famille du footballeur avait alors lancé un appel aux dons, afin de financer elle-même la suite des recherches. Une initiative soutenue notamment par le champion du monde Kylian Mbappé, auteur du don le plus important de la cagnotte. Sur son site internet, le club nantais dans lequel a évolué Emiliano Sala a indiqué ne pas avoir organisé de minutes de silence, afin de respecter les choix de la famille, qui souhaite garder espoir. À la 9e minute de jeu, numéro du maillot que portait l'Argentin, l'arbitre a pourtant interrompu le match, comme pour signifier que si le disparu n'était pas présent physiquement, il était bel et bien dans les esprits.